And then they're going to eat me. Rolling Stone! Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour un 18e épisode de la Biobiothèque. Et comme vous avez pu le constater, on vous a mis dans le bain direct. Hein. Aujourd'hui, on va plonger dans les saintes années 90 et on va découvrir ensemble la carrière de l'éloquent et de l'étonnant Takenobu Mitsuyoshi. Takenobu Mitsuyoshi est né le 12 décembre 1967 à Fukuoka. Néanmoins, alors qu'il avait 3 ans, son père va être muté à Chiba, et c'est là qu'il va passer la majeure partie de sa jeunesse. S'il est aujourd'hui connu pour ses compositions et surtout pour ses talents de chanteur, faut savoir qu'à la base, Mitsuyoshi détestait la musique en tant que matière à l'école. Il était nul pour lire des partitions, il aimait pas chanter ou jouer de la musique, bref, ça le saoulait. Son gros kiff à lui, c'est le baseball. Il va en faire jusqu'à la fin du collège, puis il va soudainement arrêter, parce qu'en fait il va se faire beaucoup chahuter par les plus grands du club et ça va complètement le dégoûter de sa passion. À la même époque, il va avoir un espèce d'éveil musical soudain et il va se passionner pour Yellow Magic Orchestra. Il va se mettre à vouloir rechercher plein de groupes avec des sonorités un petit peu similaires, s'éloigner vers différents autres genres aussi. Il va entre autres tomber à cette époque sur l'excellent groupe de jazz fusion Cassiopeia. Au fur et à mesure qu'il fait de nouvelles découvertes, son amour pour la musique grandit de plus en plus et c'est ainsi qu'il décida plus tard de prendre des cours de piano alors qu'il était en deuxième année de lycée. C'est d'ailleurs aussi au lycée qu'en parallèle de la musique, il va s'intéresser plus en détail aux jeux vidéo. Sur son PC 6001 de NEC, il va se passionner pour des jeux comme Xevious, Pac-Man, Space Invaders ou encore Mappy, et un petit peu plus tard, il va faire l'acquisition d'une Famicom. À la fin des années 80, alors qu'il étudiait l'économie à l'université Tohoku Gakuin pour devenir prof d'éco par la suite, il y a un de ses collègues qui va lui faire découvrir Galaxy Force, un shoot'em up de Sega. Et ce qui va surtout marquer Mitsuyoshi sur Galaxy Force, c'est sa musique, qui a été composée par Koichi Namiki et Katsuhiro Hayashi. En l'entendant, il va se rendre compte à quel point la technique a fait des progrès incroyables et à quel point il est possible de produire des compositions assez élaborées sur des jeux vidéo. Une fois sorti de l'université, Mitsuyoshi va abandonner l'idée de devenir prof, mais il va quand même tenir à trouver un boulot qui a un lien avec l'économie, et il va donc partir à Tokyo pour maximiser ses chances de trouver du travail. La musique occupe encore une grande place dans sa vie à ce moment-là, mais c'est pour un poste administratif qu'il va postuler chez Sega en 1990. Et là, il va se passer un truc complètement dingue, et c'est pour ce genre d'événement que j'aime faire les biobiothèques, parce que tu te rends compte des fois que ça dépend vraiment d'un rien. En fait, Takenobu Mitsuyoshi, il est allé à son entretien d'embauche pour bosser à l'administration chez Sega, et c'est un entretien de groupe, et en fait il s'avère que pendant l'entretien de groupe, il y a un mec qui a levé la main pour dire « Ouais, comment on fait pour être compositeur chez Sega ?» Et le recruteur, sur le moment, il a dit « Bah, si vous voulez être compositeur, bah vous êtes pas là pour ça à la base, mais si jamais vous voulez tenter le coup, envoyez-nous une cassette et on verra bien. » Alors on sait pas ce qu'est devenu le mec qui a levé la main ce jour-là, apparemment il a pas fait carrière chez Sega, ou en tout cas pas en tant que compositeur. Toujours est-il que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que ça a pas servi à rien puisque Takenobu Mitsuyoshi a envoyé sa cassette chez Sega peu de temps après dans l'espoir de devenir compositeur, lui qui avait été marqué par les musiques de Galaxy Force, et ça va fonctionner. Et encore une fois, c'est vraiment dingue parce que, rendez-vous compte, hein, si le mec avait pas levé le bras, Takenobu Mitsuyoshi, à l'heure où on parle, il serait sûrement en train de faire des tableaux Excel. Finalement embauché en tant que compositeur, il va faire différents stages de formation dont un nécessitant de programmer un jeu. Entendons-nous bien, Mitsuyoshi avait aucune expérience en programmation à ce moment-là, et il se sentait complètement largué face à certaines personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que lui, et justement sur ce fameux jeu qu'il devait programmer, il était tellement largué qu'il était même pas foutu de faire un simple bip. Ah, bordel de Dieu.
Les autres nouveaux arrivants apprenaient extrêmement vite du fait qu'ils avaient déjà des bases en programmation, mais pour Takenobu Mitsuyoshi, y a rien à faire, c'était un enfer, et y a rien qui rentrait. Mais passionné par son travail et épaulé par Hiro, le fameux compositeur des musiques d'Outrun, il va se démener pour arriver à ses fins, et ça va payer, puisque les premières musiques qu'il a composées sont d'une qualité telle que ça va lui permettre de rejoindre très vite les rangs du SST Band. Le SST est né en 1988, SST signifiant Sega Sound Team. Avant même que la formation porte officiellement ce nom, il était question de 4 musiciens de chez Sega qui formaient un groupe de rock. Ses 4 premiers membres étaient Hiroshi Kawaguchi, qui était au synthétiseur, Katsuhiro Hayashi, qui lui aussi était au synthé, Koichi Namiki à la guitare et Sachio Ogawa à la basse. Le groupe officiellement établi passera à 6 membres en simultané, et en tout et pour tout, de 1988 à 1993, il y a uniquement 9 compositeurs de chez Sega qui vont passer par le SST. C'est donc un club extrêmement fermé et Mitsuyoshi a eu la chance d'en être membre malgré son peu d'expérience. Dans la formation, il s'est retrouvé au synthétiseur, remplaçant de ce fait Hiro, qui était son mentor. Étant le plus jeune et le plus inexpérimenté de la formation, Mitsuyoshi va se démener au sein de SST, il sera considéré par les autres membres comme le petit frère du crew, et du coup, lui qui avait tant galéré à son arrivée chez Sega et qui se sentait limite un petit peu illégitime face à d'autres, il s'est retrouvé à pouvoir jouer ses compositions mais aussi celles de ses collègues en studio mais aussi en live à travers des arrangements qui sont juste complètement ouf. En 1991, Takenobu Mitsuyoshi va participer pour la première fois à un album du SST et cet album c'est Formula. Le principe avec les albums du SST, en tout cas initialement, c'est que c'est des reprises de morceaux qui ont été entendus dans des jeux Sega. Et là en l'occurrence sur Formula, il y a 5 morceaux qui ont été réarrangés. Et sur ces 5 morceaux, il y en a 2 qui avaient été initialement composés par Takenobu Mitsuyoshi. C'était ses premiers travaux chez Sega et c'est pour, entre autres, pour ses compositions qu'il a réussi à rejoindre le SST. En 1991, il va bosser sur la bande originelle de Strike Fighter, qui est aussi connue sous le nom d'Afterburner 3. Et la petite particularité de Strike Fighter, c'est que c'est la première bande originelle qui a été composée à 100% par Takenobu Mitsuyoshi. Les choses vont encore s'accélérer davantage pour Mitsuyoshi, puisqu'en 1992, toujours, il va être placé à la composition de Virtua Racing. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Virtua Racing, c'est un jeu très important dans l'histoire de Sega, puisque c'est leur premier jeu en 3D, en vrai 3D, 3D polygonal. C'était une vitrine pour le monde à l'époque, Virtua Racing, ça a été un pas important dans le jeu vidéo. Et la personne qui a été chargée de donner du rythme et de la cadence à cette prouesse technique, et bah c'est du coup Takenobu Mitsuyoshi. On arrive en 1993 et c'est sûrement pour plusieurs raisons l'année la plus importante dans la carrière de Takenobu Mitsuyoshi. La première chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est l'année où le SST s'est séparé. Cette séparation, elle a donné lieu à plusieurs petits groupes qui sont nés plus ou moins tard. Et parmi eux, il y a Takenobu Mitsuyoshi et Koichi Namiki qui vont, dès 1993, former un duo qui s'appelle Baby Universe. Le but est le même qu'avec le SST du coup, hein, c'est qu'ils réarrangent leurs morceaux, ils les revisitent avec des instruments et donc sans aucune contrainte technique. Et l'autre truc important, le truc le plus important même, c'est qu'en 1993, Takenobu Mitsuyoshi va bosser sur la bande originale de... Le contexte de développement de Daytona USA, il est bourré d'enjeux. À cette époque, Sega est en guerre contre Namco sur le terrain de l'arcade, et forcément la sortie de Virtua Racing a fait pas mal d'émules, et Namco cherche à avoir lui aussi son jeu de voiture en 3D, qui va être Ridge Racer. Chez Sega, on a toujours eu conscience que la musique était vitale dans l'appréciation d'un jeu d'arcade, qu'il était vraiment question d'ambiance, et c'est pourquoi il a été demandé à Takenobu Mitsuyoshi de réaliser quelque chose de mémorable et d'historique dans l'histoire du jeu d'arcade. Mitsuyoshi, il est totalement dans son élément, hein, puisqu'il avait déjà bossé sur la BO de Virtua Racing, il avait aussi fait GP Ride auparavant, donc il connaît la musique de jeu de course, mais il va être très attentif à ce qui lui a été donné comme consigne et il va vouloir pousser le délire encore plus loin, il va vraiment vouloir
marquer les esprits au fer rouge, et il va y arriver. Et pour y parvenir, et bah, il va tout simplement poser sa voix sur les morceaux qu'il compose. Et au final, ça donne la bande originale qu'on connaît tous. Il y a peu de jeux qui arrivent à véhiculer autant d'énergie que ce que procurent les musiques de Daytona USA. Un peu à la manière d'Outrun à l'époque, la musique de Daytona USA, elle a réussi à transcender son simple rôle de musique de jeu vidéo. Et elle est parvenue à traverser les époques au point que des gens qui n'ont jamais touché à Daytona USA connaissent Takenobu Mitsuyoshi par le biais des musiques du jeu. La douce ironie dans cette histoire, c'est que 20 ans après cette guerre qui a fait rage entre Sega et Namco dans les années 90, un DLC Daytona USA est sorti sur Ridge Racer Vita, qui permet entre autres de pouvoir jouer avec la Hornet, la fameuse voiture du jeu, mais aussi de pouvoir entendre un remix du thème principal de Ridge Racer qui a été réalisé par Takenobu Mitsuyoshi. Bien entendu, après le succès de son travail sur Daytona USA, il a été rappelé sur différents projets en arcade et sur Saturn pour continuer à faire perdurer cette énergie dont lui seul a le secret. Il a par exemple été amené à travailler l'année suivante sur un autre gros projet de Sega, un autre jeu de voiture d'ailleurs, qui n'est autre que Sega Rally. Sur la BO de Sega Rally, Mitsuyoshi va travailler sur la version arcade essentiellement. Il recomposera ensuite certains morceaux pour la version Saturn, mais les morceaux inédits à la version Saturn, c'est pas de son ressort. Et on sent encore dans cette BO à quel point Mitsuyoshi a réussi mieux que quiconque à capter l'esprit de l'arcade. C'est des musiques qui sont extrêmement catchy, qui sont entraînantes, qui donnent envie d'y retourner. La même année, donc toujours en 1994, il va aussi taffer sur l'incroyable bande originale de Virtua Fighter 2. Sur ce jeu, il y a certains morceaux de Mitsuyoshi et aussi du reste de l'équipe d'ailleurs. Quand je les entends, même autant de temps après, je les trouve encore remarquables, vraiment, ils me font rêver. Mitsuyoshi, il a toujours eu une grande attache à cette série, il l'a toujours suivi de plus ou moins loin. Il a d'ailleurs composé par la suite les musiques du Virtua Fighter Kids, les musiques de Virtua Fighter 3 aussi, et il a surtout fait autre chose, et c'est là où on va les réentendre pour la première fois au chant depuis Daytona USA, puisqu'il a chanté sur le deuxième générique d'ouverture de Virtua Fighter version animée. Il y a un deux titres qui va sortir puisqu'il y a eu deux morceaux qui ont été interprétés par Takenobu Mitsuyoshi. Et quand tu vois la pochette de ce single, à l'arrière il y a Takenobu Mitsuyoshi qui est mise en scène, etc. La pub fait bien mention de son nom en disant oui, avec la voix de Takenobu Mitsuyoshi, c'est en train de devenir tout doucement une superstar de chez Sega. Et c'est dans cette optique qu'il va être amené à chanter la version japonaise du thème principal de Burning Rangers, ce fameux jeu mettant en scène des pompiers du futur sorti sur Saturn en 1998. Sur Burning Rangers, il va donc être appelé uniquement pour ses talents de chanteur, et ça va étrangement être un petit peu pareil sur Daytona USA 2, sorti uniquement en arcade. Sur cette suite, il n'a composé qu'un seul morceau, bien qu'il ait chanté sur 4 en tout. C'est une situation assez surprenante quand on sait à quel point la licence est attachée à l'homme, mais elle est justifiée, puisque Mitsuyoshi était alors sur le projet le plus important de sa carrière. Depuis 94, en fait peu de temps après le développement de Daytona USA, Takenobu Mitsuyoshi il a été sollicité sur un énorme projet à un haut poste,
puisqu'il va être promu par Yu Suzuki en personne pour être le sound director de Shenmue. Ça me fait toujours marrer quand j'imagine Takenobu Mitsuyoshi qui a passé toute sa carrière dans l'arcade à composer des morceaux entraînants et qui là soudainement se retrouve à la direction sonore de Shenmue, un jeu qui est quand même bien posé. Je pense qu'il a dû avoir de temps en temps quelques pulsions quand même. Parce que oui, le taf d'un sound director, rappelons-le, c'est de s'occuper de toute l'ambiance sonore du jeu, de créer quelque chose de cohérent. La composition, c'est pas forcément le boulot principal d'un sound director, et d'ailleurs, Takenobu Mitsuyoshi sur Shenmue a composé très peu de morceaux. En gros, son taf, c'était de faire en sorte que les exigences de Yu Suzuki d'un point de vue sonore soient atteintes. Et c'était pas forcément évident, d'autant plus que quand Yu Suzuki était pas satisfait de quelque chose, il le faisait savoir et il imposait une grosse ambiance de merde dans la pièce. Ça a été extrêmement éprouvant pour lui le développement de Shenmue, le fait de devoir gérer une équipe, le fait de devoir faire avec les exigences de Yu Suzuki, la période assez étendue sur laquelle ça a duré en plus. Faut rappeler que ça a duré 5 ans et qu'au moment où le jeu est sorti, ça faisait 10 ans qu'il était dans la boîte, donc il a passé en fait la moitié de sa carrière à bosser sur Shenmue à ce moment-là. Et du coup, quand Shenmue va sortir, il va en être dégoûté, il va plus vouloir en entendre parler du tout, il va même pas y jouer. Il va laisser le jeu de côté pendant plusieurs mois, et c'est au final ses enfants qui vont le pousser et qui vont lui dire « S'il te plaît papa, on a envie de faire Shenmue avec toi ». Il va faire Shenmue avec ses enfants et c'est en découvrant le produit fini qu'il s'est rendu compte qu'il avait participé à un projet très très important dans l'histoire du jeu vidéo. Il y a vraiment eu un avant et un après Shenmue 1 dans sa carrière. D'ailleurs, ne serait-ce que Shenmue 2, il n'est pas sound director dessus, il a un rôle très mineur. Lui qui, sur la décennie précédente, était le chef d'orchestre d'une identité sonore, il va soudainement s'effacer et il faudra attendre Sega Rally 2006, sorti sur PS2 au Japon, pour le revoir participer activement à une bande originale. Il est malgré tout resté actif durant toutes ces années, mais d'une autre façon, puisqu'il a choisi de rendre à nouveau hommage aux musiques des jeux Sega comme il le faisait à l'époque du SST, avec un groupe qui s'appelle H, ou Sega Sound Unit. L'hommage ne va cependant pas se limiter à Sega, puisque Mitsuyoshi, avec ou sans son groupe, a repris depuis le début du siècle à peu près tout et n'importe quoi. Tout! Et... n'importe quoi. C'est toujours un plaisir d'avoir affaire à la patte Mitsuyoshi, que ce soit à travers quelques voix comme c'est le cas dans Sonic Mania, ou à travers un medley entier comme c'est le cas dans Super Smash Bros Ultimate. Et c'est justement ça qui est génial avec Mitsuyoshi, c'est qu'à peine on entend sa voix, à peine on entend ses arrangements, on peut pas s'empêcher de sourire. On pourrait percevoir le fait qu'il soit rappelé uniquement pour faire des caméos et des hommages comme un échec, mais à mon sens, ça prouve juste à quel point il a réussi, en une poignée d'années, à marquer le paysage vidéoludique. C'est tout pour ce 18ème épisode de la Bibliothèque, comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, hein. On a eu par exemple beaucoup de retours sur l'épisode Hideki Kamiya, c'était beaucoup de retours positifs en plus, donc c'était trop bien. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de la Bibliothèque, et au moment où je suis en train de prononcer cette phrase, je me rends compte que je ne sais toujours pas de qui je vais parler. D'ici là, portez-vous bien, et très bientôt, que ce soit ici, ou que ce soit dans un podcast, ou que ce soit ailleurs, hein. On est amené à se revoir et comptez sur moi, je serai quelque part. Salut ! Ils vont croire que j'ai un sous-sol. We'll be right back.